Amen. Amen. Last weekend, we had a Zoom camp meeting. Le week-end dernier, nous avons eu un meeting sur Zoom. And the timing of those meetings were for Europe and Africa. Et le fuseau horaire pour ces réunions, c'était pour l'Afrique et l'Europe. This weekend's meetings have been timed for Oceania. Et ces meetings de ce week-end, c'est pour le fuseau horaire de l'Océanie. And next week we have another camp meeting. It's a 4-day camp meeting from Wednesday to Sabbath, and that will be timed for the Americas. Et le week-end prochain, nous avons un autre Zoom meeting pour le fuseau horaire de l'Amérique, de mercredi à dimanche. I did say last week that these three camp meetings would follow on one from another. Et la semaine dernière, j'ai précisé que ces camp meetings seront consécutifs. And with that in mind, I just want to do a very brief recap of what we spoke about. Et avec cela à l'esprit, j'aimerais faire donc un bref récapitulatif de ce que nous avons vu. The focus of last week's camp meeting was on methodology. Alors, la focalisation que nous avons portée sur les réunions le week-end précédent, c'était sur la méthodologie. Particularly dealing with the science and the art of hermeneutics, or hermeneutics. Donc, il portait sur la science et l'art de l'herméneutique. We discussed seven reasons why hermeneutics were important. Et nous avons discuté sur sept points qui prouvent la raison pour laquelle l'herméneutique est importante. We spoke about the necessity of using hermeneutics to understand Ellen White's writings. Nous avons parlé de la nécessité de comprendre l'herméneutique pour pouvoir comprendre les écrits d'Ellen White. The reason we need to do that is because Ellen White's writings are from a prior dispensation, a different generation. Et la raison pour laquelle il nous faut faire cela, c'est parce que les écrits d'Ellen White portent sur une dispensation précédente, une autre génération. And we recognized that when an inspired writer says something, that they may want to be teaching us several truths at different layers. Et on reconnaît que lorsqu'un auteur inspiré dit quelque chose, cet auteur veut nous enseigner plusieurs vérités sur différents niveaux. So, any particular statement that they make may have more than one meaning. Donc, quelle que soit la déclaration que cet auteur fera, il y aura plusieurs sens. Just want to quickly review the seven reasons why we need hermeneutics. Et donc j'aimerais réviser rapidement les sept raisons pour lesquelles nous avons besoin de l'herméneutique. All of us can read in our own particular language, but it doesn't mean that we understand what we read. Alors, tout le monde peut lire dans sa langue naturelle, mais cela ne signifie pas pour autant qu'on comprend ce qu'on lit. Often, people talk about a thus saith the Lord, or a plain reading of God's word.
Et souvent, les personnes parlent d'un si a dit le Seigneur ou une lecture claire de la parole. But in reality, there is no such thing. Et la réalité n'est pas comme cela en général. It's a dangerous endeavor to just think you can read a statement and understand its true meaning. Il est dangereux de penser que l'on peut lire une déclaration et de comprendre sa véritable signification. In real life, when you and I communicate, Et dans la vie réelle, lorsque vous et moi nous communiquons, some things we say have a deeper meaning than other things. il y a certaines choses que nous disons qui ont une signification beaucoup plus profonde que d'autres choses. So sometimes when a prophet speaks, it may be easy to understand what they mean. Et parfois, quand un prophète parle, ça peut être plus simple de comprendre ce qu'il veut dire. But I would suggest the more a person reads a statement from a prophet, the more information they can glean or derive from that passage. Mais je vais dire que plus une personne va lire les informations issues des écrits de ce prophète, plus il sera en mesure de glaner des informations. There are hidden depths of truth, or Ellen White calls them hidden treasure. Il y a donc des vérités qui sont bien profondes, bien cachées, et Ellen White les appelle des vérités, des trésors cachés. And just because you think you understand the meaning of what you read, Et juste parce que vous pensez comprendre la signification de ce que vous lisez, it doesn't necessarily mean you understand properly what the prophet is trying to teach us. cela ne signifie pas que vous comprenez correctement ce que le prophète veut nous enseigner. When we speak about this point, Et lorsque nous parlons de ce point-là, the reason why it's so significant et la raison pour laquelle c'est si significatif, is because sometimes the prophets don't even know what they're talking about themselves. parce que souvent le prophète ne sait pas lui-même ce dont il est en train de parler. Or at least, they don't understand the full significance of what they are saying. Ou du moins, ce prophète ne comprend pas vraiment toute la profondeur ou la signification de ce qu'il est en train de dire. If we were to look at our own experience as priests, Et s'il nous fallait regarder à notre propre expérience en tant que prêtre, I think a review of the past 30 years would show us the following. et je pense qu'une révision des 30 dernières années nous montrerait ce qui suit. That a number of points that Elder Jeff, when he was raised up to give his message, he had no idea what he was talking about. Que l'ancien Jeff, lorsqu'il a été suscité pour donner son message, il y a plusieurs points dont il ne comprenait pas, il n'avait aucune idée de ce qu'il disait. So he could speak about subjects, Donc, il pouvait aborder des sujets. but it doesn't mean he fully understood what he was even saying. Mais cela ne signifie pas qu'il comprenait totalement ce qu'il était en train de dire. This is a common problem with prophets in their own present dispensation. Et ça, c'est un problème courant pour les prophètes dans leur propre dispensation. This is not a new phenomenon. Il ne s'agit pas là d'un nouveau phénomène. The true import of what prophets speak about often is only discovered after they have completed their work.
Alors, le véritable impact ou la véritable chose que le prophète parle, dont il fait mention, là, on va le découvrir plus tard, souvent. And so it is in the situation that we find ourselves when we think about Elder Jeff's work. Et nous nous trouvons dans la même situation lorsque nous pensons à l'ancien Jeff. We're only now, in the last few years, really understanding some of the mistakes and problems that he was grappling with. Et ce n'est que depuis quelques années qu'on comprend maintenant tous les points, tous les problèmes avec lesquels il faisait face. I guess perhaps more importantly for us, as we think about the Bible and the spirit of prophecy, we're confronted with the same problems. Et nous sommes confrontés au même problème pour nous lorsque on parle donc de la Bible et de l'esprit de prophétie. As we try to understand what Ellen White means, often we see that even she didn't understand the true import of her words. Et quand on essaie de comprendre ce qu'Ellen White disait, on réalise qu'elle aussi ne comprenait pas vraiment la véritable portée de ses paroles. Point two. Le point numéro 2. People make a mistake, and it's one of the most frequent problems that Bible students make. Et les personnes commettent une erreur, et c'est cette erreur qui est vraiment fréquente que pour les étudiants de la Bible. I gave us two words last week. They're on the board. Et la semaine dernière, je vous ai donné deux mots qui se trouvent au tableau. The first word is metonymy. Alors le premier mot là, c'est la métonymie. And the second word is synecdoche. Et le deuxième mot, c'est la synecdoque. What these words teach us, Alors, qu'est-ce que nous enseignent ces mots? particularly the second one, synecdoche. Et particulièrement le deuxième, là, la synecdoque. Is that Synecdoque. part of something equals the whole? Une partie de quelque chose équivaut à l'ensemble. A part equals the whole. Une partie égale l'ensemble. We are so used to using this type of methodology or thinking. Alors, nous sommes si familiers à utiliser ce type de méthodologie ou de pensée That we become lazy and careless. que nous devenons paresseux et nous manquons de soin, nous ne sommes pas attentifs, prudents. The problem that you will find when you study God's word Et le problème que vous allez découvrir lorsque vous étudiez la parole de Dieu, If you think about information, alors, si vous réfléchissez à l'information, if you're looking for a particular study, alors, si vous regardez une étude particulière, you can have very little information or a lot of information. alors, soit nous avons très peu d'informations ou beaucoup d'informations. And it's not often that you'll Et c'est pas come to souvent. this sweet spot right in the Que vous middle. arrivez à ce point-là, que vous arrivez là à ce point du milieu doux. Often there's not enough information or there's too much.
Alors souvent, soit nous n'avons pas suffisamment d'informations ou il y en a trop. And this is the one that causes us the most problems. Et c'est celui-ci-là, l'instant qui nous cause le plus de problèmes. I gave the example last week Alors la semaine dernière, je vous ai donné l'exemple that psychology was satanic. que la psychologie était satanique. But also, psychology is divine. Mais également la psychologie, elle est divine. Which one is correct, God or Satan? Alors laquelle est la bonne, celle venant de Dieu ou de Satan? And the mistake that people make Et les erreurs que les personnes commettent, is that they think they are dealing with a synecdoche. les personnes pensent qu'elles sont en train de traiter de la synecdoque. And more often than not, when you are studying inspiration, you will not be dealing with synecdoches. Et plus souvent, on va plus, on va quand on étudie l'inspiration, on ne va pas traiter avec la synecdoque. You will find that the part does not equal the whole. On va réaliser que la partie n'équivaut pas à l'ensemble. And above all things, we must, as priests, remain balanced. Et au-dessus de toute chose, en tant que prêtre, il nous faut être équilibré. And for the large part, many of us are not balanced. Et pour la plus grande partie d'entre nous ne sont pas n'est pas équilibrée. Point three, words evolve in their meaning. Alors le point 3, les mots évoluent dans leur signification. And we gave examples of that. Et nous avons donné des exemples de cela. Just because you read a word in inspiration, it doesn't mean you know what that word means. Et ce n'est pas parce que vous lisez un mot dans l'inspiration que vous comprenez, vous savez ce que signifie ce mot. You have to check and be careful about how the meaning of words change over history. Il vous faut être prudent et vérifier de quelle façon la signification du mot a évolué et a changé dans l'histoire. Point four. Le point numéro 4. Cultural factors change or affect the meaning. Alors, les faits culturels vont changer ou affecter le sens du mot. Sister Shemaine, could you sit slightly further back because your audio is louder than mine and they can't make the adjustment. It's just for the audio. Ah, ok. So, prophets speak about situations. Alors, les prophètes parlent d'une certaine situation. And the way they deal with those different subjects or issues changes over time. Et la façon dont ils traitent de ce problème, eh bien, ça change avec le temps. Today, when you're respectful, you normally take your overcoat off. In Moses' time, you took your shoes off. Alors maintenant, quand vous êtes respectueux, vous allez ôter votre manteau, mais à l'époque de Moïse, c'était vos chaussures. If you went to church and you saw everybody wearing their winter overcoats in the sanctuary, it would look strange. People would not look relaxed. Si vous allez à l'église et que tout le monde porte donc leur imperméable ou manteau, ça va sembler étrange. Les personnes ne seront pas vraiment à l'aise. But we don't take our shoes off when we go to church. Et quand on va à l'église, donc on n'enlève pas nos chaussures. Hein. So cultural factors affect the meaning. Donc l'effet culturel affecte donc le sens du mot. Just because people behave in a certain way in one period of time doesn't mean we should behave the same way today.
Alors, ce n'est pas parce que dans une certaine époque, les personnes se comportaient d'une certaine façon qu'aujourd'hui, on va se comporter de la même façon. Point 5. Le point 5. Circumstances change the meaning of what you read. Alors, les circonstances changent le sens de ce que vous lisez. If I were to ask you, what must you do to receive eternal life? S'il fallait que je vous pose la question, qu'est-ce que vous devez faire pour recevoir la vie éternelle? You don't know the answer. Donc, vous ne connaissez pas la réponse. And most of us would say, of course we know the answer. Et la majorité d'entre nous nous diront, bien sûr que nous connaissons la réponse. I gave two examples. Je vous ai donné deux exemples. One was a Hebrew, one was a Gentile. Alors l'un est un hébreu, l'autre un gentil. Hein. The rich young ruler and the jailer. Alors le geôlier et le jeune homme riche. And to receive eternal life, Et pour recevoir la vie éternelle. one must give up their money and their job, and the other one must keep their money and their job. Alors l'un doit abandonner son travail et son argent, tandis que l'autre doit les conserver les deux. So you can see how confusing these things would be and how easy it is to make mistakes. Alors vous pouvez voir à quel point ces choses peuvent être confuses et à quel point il est facile de commettre des erreurs. Point 6. Alors le point 6. A word may have a different meaning even in the same book. Alors, un mot peut avoir une signification différente même au sein d'un même livre. And this point 6 becomes a challenge. Et ce point-là, numéro 6, devient un challenge, un défi. Because it fundamentally alters the way you approach proof texting. Parce que ça change notre approche de la preuve par le texte. And you need to be really good. Sorry. You need to be really careful that you don't make the mistake of thinking the word doesn't change its meaning. Alors, il vous faut être très prudent pour ne pas penser que le mot n'a pas changé de sens. I gave the example from The Desire of Ages, if you remember. Et vous rappeler, je vous ai donné l'exemple du livre Jésus-Christ. And I gave the second example from the book of Daniel. Et je vous ai aussi donné un deuxième exemple du livre de Daniel. In Desire of Ages, when Christ is glorified, it means different things. Dans le livre de Daniel, quand Christ est glorifié, cela signifie des choses différentes. And that glorification that means two separate things is in the same story. Et la glorification veut dire deux choses différentes, mais dans la même histoire. And in the book of Daniel, the word daily, which occurs five times, doesn't mean the same thing in all of those verses. Et dans le livre de Daniel, le mot perpétuel qui s'y trouve à cinq reprises ne signifie pas la même chose dans tous ces versets. These are easy mistakes to make. Il y a des erreurs très simples à commettre. And this movement, if we were to use the word guilt, this movement has been guilty of these mistakes time and time again. Et s'il faut utiliser le mot culpabilité, ce mouvement a été coupable à maintes reprises. Point 7. Alors le point numéro 7. A particular story or object. Alors une histoire particulière ou un objet particulier. Say this. La souris, là. Its shape changes depending on how you view it, your perspective.
from the side, from the front, Alors, from the top. sa forme, elle va changer en fonction de l'angle de vue de votre perspective, que ce soit sur le côté, en haut ou en bas. Two different people looking at the same object may say different things about that object. Alors, deux personnes différentes qui regardent au même objet peuvent avoir des conclusions différentes sur le même objet. On one of the Bible for on one of the WhatsApp forums, Sister Alyssa gave a really nice example. Et sur le forum WhatsApp, la sœur Alyssa a donné un très bon exemple. She had a picture of a cylinder. Elle avait l'image d'un cylindre. And she looked at it from two different perspectives. Et elle l'a regardé sous deux angles différents. From the front and from the side. Alors, d'en face et sur le côté. And she looked at the shadow that this produces. Et elle a regardé à l'ombre que cela produisait. From the front. Et donc en face. It looks like a rectangle in its shadow. Ça ressemble à un rectangle dans son ombre. From the side. It looks like a Et du circle. Côté, ça ressemble à un cercle. So, depending on how you look at this cylinder, it changes shape. Alors, tout dépend la façon dont on regarde à ce cylindre, et bien sa forme elle change. And that's a really nice example of point seven. Et là, c'était vraiment un bel exemple du point numéro 7. We're all familiar with this. Nous sommes tous familiers avec cela. This would be Matthew. And Ça this would be John. Peut être Matthieu et Jean. And this would be Christ. Et là, ça serait Christ. They look at Christ differently. Ils regardent à Christ d'un point de vue différent. In fact, there are four ways when you think about the four Gospels. Et en fait, quand vous réfléchissez aux quatre évangiles, il y a quatre façons de le regarder. The point you need to know et le point qu'il vous faut savoir is that even a single person can look at an object or a story in different ways. Alors, est-ce qu'une personne peut regarder un objet de différentes façons? So, this could be Paul. Ça peut être Paul, là. On day one. Le jour un. And this would be Paul on day two. Et là, sur le côté, la vue du côté, Paul, le jour deux. The letter to the Corinthians, the letter to the Romans. Alors, la lettre des Corinthiens, la lettre aux Romains. He addresses Christ differently depending on who he's speaking to. Alors, il parle de Christ ou il décrit Christ d'une façon différente selon son public. And the summation of all of these seven points that we discussed, et, the conclusion, en fait, le résumé ou la somme, pardon? The conclusion. Can you repeat? The conclusion of oui, these la seven conclusion, points. I don't hear you. The conclusion of these seven points. La conclusion de ces sept points is that studying inspiration is complex and difficult, and it's easy to make mistakes. Alors l'étude de ces sept points est difficile et facile à commettre des erreurs. We could continue looking at these seven points and give more and more detail to them to show how hard it is to develop the correct answer to a particular problem. Alors, on aurait pu considérer encore et encore ces sept points pour donner d'autres exemples et pour voir des problèmes différents inhérents à ces points. What I want to do is go back to point four to make a, to
to make a specific point about that item. Alors, ce que j'aimerais que nous fassions maintenant, c'est de retourner au point 4 pour faire un point différent là. I'm hoping we all remember what number 4 was. Alors, j'espère qu'on se rappelle tous du point numéro 4. It's dealing with cultural factors. Ça parle donc du facteur culturel. Now, this is something that in the past, as a movement, we would not consider. Alors, c'est quelque chose dans le passé, en tant que mouvement, nous ne considérions pas. In fact, if anybody tried to do that, Et en fait, si quelqu'un essayait de faire cela, they would be labeled as heretics. cette personne aurait été étiquetée d'hérétique. Hein. And the heresy that they would be promulgating, teaching, Et donc, l'hérésie que ces personnes enseigneraient, is the critical historical methodology. c'est la méthodologie historico-critique. Thankfully, we have moved away from those extreme wrong positions. Et heureusement, nous nous sommes éloignés de ces positions qui sont extrêmes et fausses. At least I wish we had. Du moins, j'espère, j'espère, je l'espère. Because in reality, we really, as a movement, still have not moved on. Parce qu'en réalité, en tant que mouvement, nous n'avons pas vraiment avancé. We have not grown. Nous n'avons pas grandi. Hein. If I can express it this way, Et si je peux l'exprimer de la sorte, this doesn't represent everybody, but it represents a large portion of this movement. cela ne représente pas tout le monde, mais ça représente une grande partie de ce mouvement. Elder Tess has had to take this movement kicking and screaming into the 21st century. Alors, l'ancien test a dû prendre ce mouvement et, en fin de compte, le forcer à entrer dans le 21e siècle. And the repercussions of what she has done and continues to do is still reverberating through this movement. Alors, la réplication de ce qu'elle est en train de faire se reflète encore sur ce mouvement. The implications of some of her thoughts and ideas are still not widely accepted. L'implication de certaines de ses pensées et de ses idées n'est pas vraiment acceptée largement dans le mouvement. The point I'm trying to make Et le point que j'essaye de faire. is not just about the testing message is equality. It's not that simple. Ce n'est pas aussi simple que le test, c'est l'égalité. Remember, we are speaking about methodology. Rappelez-vous, nous sommes en train d'aborder le sujet de la méthodologie. Hermeneutics. L'herméneutique. The science and art of understanding the meaning of what we read. L'herméneutique est la science et l'art pour comprendre le sens de ce que nous lisons. So, we read a simple statement from the Spirit of Prophecy. Alors nous lisons une déclaration simple tirée de l'esprit de prophétie. Women are forbidden to wear trousers. Il est interdit aux femmes de porter des pantalons. Ellen White is not critiquing the cut of the trousers. Ellen White n'est pas en train de critiquer la coupe du pantalon. Trousers are for men, skirts are for women.
Les pantalons sont pour les hommes et les jupes pour les femmes. And in case you objected to that, Et dans le cas où vous objectez, let me rephrase that. je vais reformuler. In case you rejected or didn't like that 19th century dress code, Et dans le cas où vous n'aimez pas ce style vestimentaire du 19e siècle, she's going to defend her position by giving you a Bible verse. Elle va donc défendre sa position en nous donnant un verset biblique. Deuteronomy 22, verse 5. En utilisant Deutéronome 22, le verset 5. And what happened in this movement? Et ce qui s'est passé au sein de ce mouvement is that last year, 13 months ago, l'an dernier, il y a de cela 13 mois, Elder Tess said, whatever perspective Ellen White has on this issue is no longer applicable today. L'ancien test nous a dit que quelle que soit la perspective qu'Ellen White avait sur ce sujet, cela n'est plus applicable pour nous aujourd'hui. So, regardless of whether Ellen White said what women could or could not wear, it did not have the same impact today. Et qu'importe ce qu'Ellen White a dit sur ce que les femmes pouvaient porter, aujourd'hui cela n'a plus le même impact. And I really don't think people have fully grasped the significance of that concept, that idea. Et je ne suis pas sûre que les personnes ont vraiment saisi totalement la signification de cette idée. The fact that a prophet is enmeshed in their own history. Enmeshed. Enmeshed, trapped, entwined, like you get a rope and you wrap it around the person and they're trapped. Ok, le fait qu'un prophète est piégé dans la propre histoire de son la propre histoire de son vécu, de sa génération. By and large, I think what the movement has done is the following. Et ce que le mouvement a fait, je pense, est ce qui suit. Hein. Many of the sisters, because they felt freedom in being able to wear trousers, said this must be the truth. Et beaucoup de femmes dans le mouvement, parce qu'elles se sont, elles ont trouvé la liberté en pouvant, en portant les pantalons. Others who were more cautious were forced to agree. Et les personnes d'autres qui étaient plus prudentes ont été contraintes d'accepter. It took 6 months before we went to the Bible and explained why we have changed our position. Et cela nous a pris 6 mois pour pouvoir aller dans la Bible et expliquer la raison pour laquelle nous avons changé notre position sur ce point. When I say why, I mean the methodology behind why we have changed. Et quand je dis pourquoi, c'est par rapport à la méthodologie qui nous a permis d'entrer dans ce changement. So, earlier this year, alors, au début de l'année, we made some profound and bold statements. Nous avons annoncé des citations profondes et assez hardies, audacieux. Point one. Point numéro un. Ellen White had misinterpreted and misread, misquoted Deuteronomy 22, verse 5. Ellen White a mal interprété, mal lu, mal cité, donc Deutéronome 22:5. The nicest way you could say it is that she made an application. Et la façon la plus sympathique à le dire, c'est qu'elle a fait une application. And that's just a nice way of saying it. Et c'est vraiment une façon gentille de l'expliquer. The second statement we made,
La deuxième citation que nous avons faite, was that Deuteronomy 22 verse 5 was no longer applicable to God's people today. c'est que le verset de Deutéronome 22, le verset 5, n'est plus applicable au peuple de Dieu aujourd'hui. We believe that all scripture is profitable. Et nous croyons que toute écriture est profitable. But that doesn't mean all scripture is applicable. Mais cela ne signifie pas que toute l'écriture est applicable. So we have now got to a place in our thinking Alors nous sommes arrivés maintenant à un endroit dans notre pensée that when we approach a prophet, que lorsque nous abordons, donc lisons un prophète, we are much more careful about how we understand what we read. nous devrions être beaucoup plus prudents sur la façon dont nous comprenons ce que nous disons. We could talk about bicycles. Nous pouvons parler du vélo, des bicyclettes. We could talk about taking pictures. Nous pouvons parler du fait de prendre des photos. These are very basic and childish issues that everybody understands. Ce sont des points vraiment enfantins que tout le monde comprend. When Ellen White said people shouldn't purchase a bicycle, we understand what she meant and the point of why she said that. Alors, quand Ellen White déclare que nous ne devrions pas acheter un vélo, nous comprenons ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'il y a derrière ce point-là. The problem that you will be faced with Et le problème avec lequel vous serez confronté, is that when we go from the simple to the difficult, c'est lorsque nous faisons la transition entre un exemple simple et un exemple difficile. what you might accept at one level, you will reject at another. Ce que vous acceptez à un certain niveau, et ben, à un autre niveau, vous allez le rejeter. Point four. Le point 4. The fact that prophets are affected by the dispensation in which they live. Le fait que le prophète est affecté par la dispensation dans laquelle il vit, That they are the plants that are growing in the field. et c'est la plante qui grandit dans le champ. Is an important rule of hermeneutics that God's people and this movement have not paid special attention to. C'est une règle herméneutique très importante pour laquelle eh ben, le peuple de Dieu n'a pas vraiment prêté attention, une attention suffisante. And this is why we keep on making mistakes after mistakes. Et c'est la raison pour laquelle nous commettons des erreurs successives. And this is why when we make principled decisions, people in this movement find them objectionable and they want to reject them or disregard them. Et quand nous mettons des principes objectifs, et ben c'est la raison pour laquelle des personnes les refusent et les rejettent. But I am suggesting we're just following in the footsteps of prophets that have, or messengers that have been raised up by God in the past. Ce que j'ai suggéré, c'est que nous suivons les pas, la voie des prophètes qui ont été suscités par Dieu dans le passé. Perhaps the person who did this the most was Paul. Et peut-être que la personne qui a agi de la sorte le plus souvent, c'est Paul. When you compare Paul with John the Baptist, Et lorsque vous comparez Paul avec Jean le Baptiste, you'll see that John the Baptist was stuck
In the English, they call it into a time warp. He was stuck in the past. Et vous allez voir que Jean-Baptiste était collé dans le passé, quoi. And his influence over the remaining 11 apostles was so strong. Et son influence sur les 11 apôtres qui étaient restés était si forte. That God had to raise an outside person, Paul, to correct much of those mistakes. Et Dieu a dû donc susciter un autre apôtre, Paul, pour qu'il puisse corriger la plupart de ses erreurs. And what Paul knew to do, what he had the ability to do, okay, ce que Paul avait la capacité de faire, was to go back into the Old Testament and understand the cultural settings. Il avait la possibilité d'aller dans l'Ancien Testament et de comprendre l'environnement présent. And then he was skilled at taking those stories and bringing them into a present truth setting. Et il était capable de prendre ces histoires anciennes et de les placer dans un contexte présent. There are two tribes in the Old Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons deux tribus. Judah and Ephraim. Nous avons Judah et Ephraim. Or Judah and Manasseh, whether you call it Manasseh or Ephraim. Judah, Manasseh, Manasseh, Ephraim, vous pouvez l'appeler ainsi. And he was able to go into those stories and bring them into his own dispensation. Il était en mesure d'aller dans ces histoires pour les ramener dans sa propre dispensation. He was able to take and look at those, at the northern tribes. Il était en mesure d'aller dans la tribu du Nord. Ephraim. Ephraim. The 10 tribes. Les 10 tribus. And when God would critique their behavior. Et alors que Dieu critiquait leur comportement. When he brought those stories into his own time setting, he could change God's people into Gentiles. Quand il a emmené ces histoires anciennes dans sa propre histoire, il a pu changer le peuple de Dieu en gentils. And the problem that we are faced with today is that we don't have the same skills to be able to do that. Generally, we don't. Et le problème dont nous faisons face aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas la même capacité, habilité à faire cela. En général, nous ne l'avons pas. Paul's colleagues, his co-workers, the apostles, they were not able to do that either. Et également, les collègues de Paul, les apôtres, n'avaient pas cette capacité de le faire aussi. And this is why there was a struggle in the church. Et c'est la raison pour laquelle il y avait cette lutte au sein de l'Église. If I could contemporize that story, the New Testament. Et si je pouvais mettre cette histoire dans un style contemporain. Paul was trying to bring them into the 21st century and they refused. Alors, ce que Paul voulait faire, c'était de les conduire dans le 21e siècle, mais eux, ils refusaient. And the way he did that was through methodology, and the way they resisted him was also through methodology. Et la façon dont Paul voulait accomplir cela, c'était à travers la méthodologie, mais eux aussi, la façon de résister, c'était aussi à travers la méthodologie. A true holistic methodology. Alors, une véritable méthodologie holistique. And a crippled, narrow methodology. Et une méthodologie assez
étroite. Often we idolize the apostles. Et souvent, nous idéalisons les apôtres. But if we bring this into a more modern setting, Mais si nous plaçons cela dans un contexte beaucoup plus moderne, if we think Butler and Wagner, si nous pensons à Butler et Wagoner, we think Smith and Jones. et nous pensons à Smith et à Jones, It's much easier for us to see who the criminals are and who the good men are. il serait donc plus facile pour nous de voir qui sont les criminels et qui sont les bonnes gens. The old guard and the new people. Alors, les anciens et les nouvelles personnes. The thing that distinguishes the two groups Et alors, les choses qui distinguent ces deux groupes, is the methodology that they use. c'est la méthodologie qu'ils vont employer. Now, if you think Jones and Wagner were clever, Alors, si vous pensez que Jones et Wagoner étaient intelligents, you would be correct, they were. vous voyez juste, c'était le cas. However, Pourtant, they had things relatively easy. ils faisaient les choses de façon relativement simple. Because when they would interrogate the spirit of prophecy, Parce que lorsqu'ils interrogeaient l'esprit de prophétie, they were reading a present-day prophet in a present-day situation, and they made a present-day application. ils lisaient le prophète dans le temps présent et il en faisait de cette lecture une application pour les temps présents. And I want to say that is relatively easy to do. Et je voudrais dire que c'est relativement simple à faire. Our work is much harder. Notre travail est beaucoup plus difficile. As was Paul's. Tout comme l'était celui de Paul. We need to go into Ellen White's writings. Il nous faut donc retourner dans les écrits d'Ellen White. And we need to carefully separate all the threads of her arguments, her logic. Il nous faut séparer tous les fils de son argument, de ses points, de sa logique. And we need to determine what is principle and what is policy. Et il nous faut déterminer ce qui est les principes des mesures ou des règles. We need to understand when Ellen White says something, why is she saying that? Il nous faut comprendre quand Ellen White dit quelque chose, la raison pour laquelle elle dit cela. Elder Tess, particularly since May this year, Et l'ancien test est particulièrement en mai de cette année. as she has been going through her studies each Sabbath, Alors que chaque samedi, elle développait son, elle présentait son étude. has carefully and systematically been building up this picture, this story. Elle a bâti cette histoire, cette image de façon méthodique et avec soin. Of how we take Ellen White. Sur la façon dont nous prenons les textes d'Ellen White. And how we decide if one thought, one idea is a principle, and one thought or idea is a policy. Alors, on prend le texte d'Ellen White et on décide comment une idée est est un principe d'une mesure. Principle or policy? Principe ou mesure? And what I want to say as a synonym
or a metonymy of policy. Alors, comme synonyme de mesure ou règle, on va dire métonymie. Is culture. C'est donc la culture. Policy or example. Alors, la règle ou l'exemple. Sometimes is a cultural issue. Et souvent, c'est, ou parfois du moins, c'est un problème culturel. So when Ellen White says women should not vote, quand Ellen White déclare que les femmes ne devraient pas voter, when she says a black woman should not marry a white man, quand elle déclare qu'une femme noire ne devrait pas se marier avec un homme blanc, when she contextualizes the gospel, et quand elle peut textualiser l'évangile, when it's given to a black man or a white woman, quand il s'agit d'un homme blanc ou d'une femme noire, she's been affected by her culture. Elle a été donc affectée par sa culture. And you cannot take her statements as principles. Et on ne peut pas prendre sa déclaration comme étant un principe. Now there are underlying principles in what she says, of course. Bien sûr, il y a de façon sous-jacente des principes dans ce qu'elle déclare. Because a policy is an example of a principle in a certain context. Parce que cette règle, c'est un exemple d'un principe dans un certain contexte. And the context is the culture in which you live. Et le contexte, c'est la culture dans laquelle vous vivez. So when she says you cannot vote if you're a woman, alors quand elle déclare qu'on peut pas voter en tant que femme, she doesn't say that, the government does. C'est pas elle qui dit ça, c'est le gouvernement. She doesn't resist or fight. Elle ne résiste ni ne se bat contre. The question is why. Et la question, c'est pourquoi. And I'm saying that there are two reasons. Et je dis qu'il y a deux raisons. There's an objective reason and a subjective reason. Il y a une raison objective et subjective. Objectively, de façon objective, she sees that it will damage the movement. Elle voit que cela va endommager, porter atteinte au mouvement. It will affect the movement's credibility in society. Cela va porter atteinte à la crédibilité du mouvement au sein de la société. Subjectively, et de façon subjective, the normal cultural practice is that women don't vote and everybody knows that. La pratique normale, c'est que les femmes ne votent pas et tout le monde le sait. It's right for men to vote and wrong for women to vote. Everyone knows that. Alors tout le monde sait que c'est pas bien pour les femmes de voter, par contre c'est bien pour les hommes de le faire. Everybody knows that women are not qualified to vote. Et tout le monde sait que les femmes ne sont pas qualifiées pour voter. And so Ellen White subjectively is affected by her own cultural biases. Alors, Ellen White, donc, de façon subjective, elle est affectée par ce qui se passe dans sa culture. This is an important principle to understand. Et il s'agit là, donc, d'un contexte très important, un principe très important à comprendre. How a prophet is affected by her or his own dispensation. De quelle manière un prophète est affecté, touché par sa propre dispensation. I want to go back to point one. Je voudrais revenir au point un. You can read the words, it doesn't mean you understand the meaning. Alors, vous pouvez lire le mot, mais cela ne signifie pas que vous comprenez le sens.
a word that we've used in this movement for some time now. Alors un mot. Could you repeat? A word that we've used in our movement for some time now. Alors un mot que nous avons utilisé dans le mouvement depuis un certain temps là. Is the word noise. C'est le mot bruit. And what we mean by this is it's a distraction. Et ce que nous voulions dire par cela, c'était une distraction. So there's noise and there's truth. Il y a donc du bruit et il y a la vérité. T for truth, N for noise. Alors T pour vérité et N pour bruit. Hein. This is my subject that I'm studying. Ah, voici le sujet que j'étudie. And it's made up of a number of building blocks. Il est constitué de plusieurs blocs. Hein. Some of these things are noise. Alors, certaines de ces choses sont des bruits. Hein. And some of the points are truth. Et d'autres points sont la vérité. Hein. And what you need to determine. Et ce qu'il vous faut déterminer. Hein. Is which one of these points is noise and which one is truth. Alors, quels sont, lesquels sont des bruits, lesquels sont des vérités. Hein? And it's not that straightforward. Et ce n'est pas aussi simple. And the reason it's not that straightforward. Et la raison pour laquelle c'est pas aussi simple. Is because on Monday. Parce que lundi. Hein? This is noise. Voici le bruit. Hein? But on Wednesday. When I'm doing mercredi, when I'm doing a different study, this becomes truth. Quand je fais une étude différente, et ben ce bruit devient une vérité. So, if I have a statement, a paragraph, donc si j'ai un paragraphe, une citation, une phrase, and it's got a lot of information on there. Et qui, dans laquelle se trouve beaucoup d'informations. And I say the following. Et je dis ce qui suit. This paragraph, this information. Donc ce paragraphe, cette information. Is good. Eh bien. How much information is in this paragraph? Alors, quelle est la quantité d'informations qui se trouve dans ce paragraphe? There's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces of information. Il y a 6 informations là. So there's 7 pieces of information in this paragraph, and I've said this is a good paragraph. Alors, pour ces 6 informations qui se trouvent dans ce paragraphe, je dis que c'est un bon paragraphe. Another word for good, or a metonymy of good. Pour bien, c'est la métonymie, hein, pour bien. Is truth. C'est vérité. So, the question is. La question est celle-ci. These 7 pieces of information. Alors, c'est 7 informations. Which I've converted into a line here. Que j'ai converti en une ligne là. Is everything in this paragraph good and true? Alors, est-ce que tout ce qui compose ce paragraphe est bon ou vrai? Or is some of it a distraction or what we would call noise? Ou certaines de ces informations sont des bruits et une distraction? This is an important principle that we can easily make a mistake on. Et il s'agit là d'un principe important sur lequel nous pouvons facilement commettre des erreurs. So, this was taken from GC, page X, paragraph Y.
Alors, cela est tiré de la tragédie des siècles, XX, paragraphe 1. And I said, look, this is a truthful statement. It's a good statement. Et là, je dis, oh, regardez, c'est une citation, une très bonne citation. Does that mean everything in this paragraph is good, relevant, truthful? Alors, est-ce que ça veut dire tout ce qui se trouve dans ce paragraphe est bon et important? This will come as a surprise to some people when I say no. Et cela va surprendre certaines personnes quand je vais dire non. Not every one of these 7 points is good, neither is every point truthful. Et ce n'est pas l'ensemble de ces 7 points qui sont bons ou vrais. But because I've said it's truth, people think everything is true. Mais parce que je dis que c'est vrai, alors les gens pensent que tout l'ensemble est vrai. And this is a mistake that we make more often than we realize. Et il s'agit là d'une erreur que nous commettons beaucoup plus souvent que nous ne le réalisions. Because we think that all things that have been written are profitable, are good for instruction and doctrine. Parce que nous pensons que tout ce qui est écrit est bénéfique pour notre instruction, pour notre doctrine. So, the title of this chapter Alors, le titre de ce chapitre. could be education. Pourrait être éducation. So Ellen White's going to make a general statement on education. Alors, Ellen White va faire un commentaire général au sujet de l'éducation. She might say, Christian education is good. This is the truth. Elle pourrait dire, l'éducation chrétienne est une bonne chose. Voici la vérité. And she'll give various points. Et elle va émettre plusieurs points. And just because she has these points, some of them may actually be noise. They may not be truthful, relevant statements. Et bien qu'elle fasse ces points, il y en a certains qui seront considérés comme des bruits, qui ne seront pas des déclarations importantes et vraies. In the context of our discussion. Dans le contexte de notre discussion. Because we're having a discussion and it's Monday. Et rappelez-vous, on a cette discussion-là lundi. Ask a different question on another day and noise becomes a truthful statement. Et poser la question donc ou la même phrase dans un autre jour, et là le bruit va devenir vérité. So the point I wanted to see, Alors, le point que j'aimerais que nous voyons là. just because we have all this information doesn't mean it's all relevant and it doesn't mean it's all true and correct. Alors, ce n'est pas parce que nous avons toutes ces informations que cela signifie qu'elles sont toutes significatives, importantes et vraies et justes. When I say true, it's not in the context of lies. Et quand je dis vrai, ce n'est pas dans le contexte du mensonge. Because God does not lie. Et parce que Dieu, il ne ment pas. It's in the context of relevancy, or if something is noise, or if it's a relevant truth. C'est le contexte de ce qui est significatif, important, sur ce qui est qui sont des bruits et des vérités. So this is a convenient place to stop. Et là, c'est un endroit, un bon endroit pour nous arrêter. Let's close with prayer. Alors, on va finir par la prière. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. We want to ask and pray Père that you Céleste, would bless us. nous voudrions te remercier pour tes bénédictions. Continue to guide us and direct us in the study of your word. Et continue de nous diriger dans l'étude de ta parole.
We pray in Jesus' name. Amen. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.